viens à mon aide.
Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles
De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car en me faisant passer sous sa loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. Par ta croix, ô Fils de l'homme, tu as sauvé l'homme perdu. Par ta croix, ô Fils de l'homme, tu as sauvé l'homme perdu. Adressons notre prière au Christ vainqueur de la mort. À l'heure de ta passion, tu as étendu les bras, soutiens ton Église dans sa lutte pour la foi et pour la justice. Tu as crié vers ton Dieu, entends le cri des abandonnés. Par ta croix, sauveur, sauveur.
La lance a transpercé ton cœur, désaltère les pécheurs aux sources de l'eau et du sang. Tu es sorti vivant du tombeau, aux captifs de la mort, ouvre ton jardin de vie. Fils de l'homme élevé de terre, attire tous les hommes dans la gloire du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Dieu qui a voulu sauver le monde par la passion de ton Christ, fais maintenant de ton peuple une vivante offrande à ta gloire et donne-lui ton esprit d'amour. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.